Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux matrices symétriques et aux applications dans l'étude des formes quadratiques. Alors, on ne va pas commencer directement sur les matrices symétriques, on va rappeler des choses sur la transposition, on va refaire en fait le cours sur la transposition, et donc les matrices transposées, et puis ensuite les matrices symétriques, on verra aussi les endomorphismes adjoints, ce qui correspond aux matrices transposées, et puis les endomorphismes symétriques, ce qui correspond aux matrices symétriques. Et enfin, donc, on verra les applications pour l'étude des formes quadratiques. Alors, la transposition d'abord, donc on a K qui est un corps commutatif de caractéristiques différentes d'eux pour ne pas avoir de problème. N, P, Q, tous les entiers qu'on utilisera sont supérieurs ou égaux à 1. Et on prend une matrice A et J appartenant à M, N, P de K. Sa transposée, c'est la matrice TA qui appartient à M, P, N de K. Donc je l'appelle A'J, définie par A'J est égal à AJ. Quand I est entre 1 et P et J entre 1 et N. Donc ça, c'est parfaitement défini. On a donc la transposée de la transposée de A, qui est égale à A, parce qu'évidemment, si je refais l'opération à l'envers, ben je vais retrouver A. Exemple, ces deux matrices, la matrice et puis sa transposée. En fait, ce qui se passe, c'est que la ligne 1, c'est ce qu'on va voir après, est devenue colonne 1, la ligne 2 est devenue colonne 2, la ligne 3 est devenue colonne 3. Alors, quand on reprend la transposée de A, bah évidemment, la ligne 1 va devenir colonne 1, la ligne 2 va devenir colonne 2, et donc on retombe sur A. Donc, si A est une matrice colonne, donc M, N, 1, de sa transposée, c'est une matrice ligne, puisque ça va être dans 1, M, 1, N, donc ses coefficients, ça va être cela. Bah, A'1, 1, ça va être A, 1, 1, A'1, 2, ça va être A, 2, 1, etc., etc. Donc j'ai quoi? J'avais une colonne, elle a été changée comme ça en ligne. Et puis évidemment, si j'ai une ligne, donc ici c'est M1P, d'accord, et je prends sa transposée, donc ça va être ça va appartenir à MP1, donc P ligne, une colonne, ça va être une colonne. Hein, et je vais avoir A'1, 1, bah c'est A1, 1, A'1, ensuite je vais avoir A'2, 1. Bah, ça va être A1, 2, etc. Et puis A'P1, ça va être A1P. D'accord ? Voilà. Ligne, colonne. Alors maintenant, si je prends une matrice NP, sa colonne J, d'accord, c'est celle-là. Et bien, et la ligne J de TA, bah, la ligne J de TA, TA, c'était alors, si je prends la ligne J, ça va être A'J1, A'J2 avec les notations tout à l'heure, A'Jn. Mais A'J1, c'est A1J, A2J, etc. jusqu'à ANJ. Et donc, j'obtiens quoi? La transposée de la colonne que j'ai ici. Voilà. Et puis, si je prends maintenant une ligne, hein, la ligne I, et si je prends la colonne I de TA, hein, ce qui est possible, puisque I, là, il est entre 1 et N, hein, mais TA, il appartient à MPN, donc il n'y a pas de souci. Et donc ça va être A'1I jusqu'à A'PI, et ça vaut AI1, AI2, etc., AIP, et c'est donc la transposée de cette ligne. Donc ligne et colonne sont échangées par transposition. Linéarité de la transposition, si je prends deux matrices et un scalaire, transposé de lambda A plus B est égal à lambda transposé de A plus transposé de B. Bon, c'est évident. Hein. C'est égal lambda A plus B, donc son terme général, c'est Cij appartenant à MNP de K. Cij est égal à lambda AIJ plus BIJ, avec I et J respectivement entre 1 et N, entre 1 et P. La transposée de C, c'est une matrice C'IJ, alors I entre 1 et P, J entre 1 et N. C'IJ, c'est Cji. Donc CJI, je reprends, voilà, CJI, ben j'échange les I et les J, donc ça fait lambda
AJ plus BJI. Et donc, j'obtiens bien que... ça, c'est quoi? C'est le terme général de TA. C'est le terme, en fait, en IJ de TA et là, de TB. Donc, j'obtiens TC égale lambda TA plus TB. D'où la linéarité. L'application phi qui a une matrice A de MNP de K associe sa transposée dans MPN de K est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors on a déjà vu la linéarité puisque c'est ça, hein, c'est phi de lambda A plus B, c'est la transposée de lambda A plus B, c'est lambda transposée de A plus transposée de B, donc c'est lambda phi de A plus phi de B. Mais de plus, je remarque que phi de A, c'est phi de transposé de A. Donc c'est transposé de A, c'est A, quel que soit A. Donc phi rond phi est égal à l'identité, ce qui veut dire qu'elle est involutive. Et donc phi est une bijection, et que phi moins 1 est égal à phi. Bon, comme elle est linéaire, c'est un isomorphisme. On aurait pu aussi démontrer autre chose, hein, qu'elle était injective, puis que dire que les espaces avaient la même dimension n fois p. Si je prends, alors maintenant, deux matrices, alors, une matrice A dans MNP, je vais la multiplier, donc il faut partir ensuite avec une matrice B de MPQ. Comme ça, on peut multiplier les deux, et A fois B appartient à MNQ. Alors, la transposée de A fois B, qui appartient à MNQ, c'est la matrice TB fois TA. Alors, est-ce que c'est possible, ça? Ben oui, parce que ça va être donc... une matrice MQN, puisque A fois B, c'était une matrice MNQ. Ça, c'est une matrice MQN. Bon, TB. TB, c'est une matrice MQP. MQP. Et TA, c'est une matrice MPN. Donc, quand on les multiplie, on obtient bien une matrice MQN. Donc, ce n'est pas invraisemblable qu'on ait ça. A fois B, c'est la matrice C, c'est IJ, appartenant à MNQ de K, avec CIJ égale somme de K égale 1 à P des AIK BKJ, d'accord, pour I compris entre 1 et N, et J compris entre 1 et Q. Bon, TC, à TC, c'est la matrice C'IJ appartenant à M, alors celle-là appartenant à MNQ, l'autre va appartenir à MQN. Donc si je prends I entre 1 et Q, J entre 1 et N, C'IJ, c'est CJI. Et CJI, c'est quoi? CJI, c'est quand j'échange I et J. Donc c'est somme des AJK, BKI pour K égale 1 à P. Bon, maintenant la matrice TA, c'est une matrice A'IJ appartenant à MPN, puisque l'autre appartenait à MNP. TB, c'est une matrice B'IJ qui appartient à MQP, puisque celle-ci appartenait à MPQ. TB fois TA, son terme générique, c'est C'IJ, et ça doit appartenir, puisqu'on multiplie TB, donc qui est une QP, par une PN, ça va être une QN, d'accord? Eh bien, si je prends I entre 1 et Q, et J entre 1 et N, C'IJ va être égal à quoi? Somme de K égale 1 à P, de... B', alors je multiplie B par A, donc ça va être B'IK A'KJ. Mais B'IK, c'est BKI, hein, d'accord? Et A'KJ, c'est AKJ. Je compare ça et ça, et j'obtiens que les deux termes sont les mêmes, d'accord? Alors, c'est-à-dire que ici, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ma démonstration, j'aurais dû écrire C secondes à la place de C'. Et là, je constate que C secondes de IJ est égal à C'IJ, quel que soit I compris entre 1 et Q, J compris entre 1 et N. Donc, ça veut dire que ces deux matrices sont égales. Donc, ça veut dire que TC, c'est-à-dire transposé de A fois B, est égal à transposé de B fois transposé de A. Remarque, une matrice A d'ordre n, si elle est diagonale, elle est égale à sa transposée. Si elle est triangulaire supérieure, c'est-à-dire ça, alors la transposée est triangulaire inférieure. Démonstration, si elle est diagonale, A'IJ est... Alors ça, A'IJ, c'est le terme général de TA.
est égal à AJI, donc ça, ça fait 0 si I est différent de J, AI si I est égal à J, bah, c'est exactement AIJ. Quel que soit I et J, donc TA égale A. Et si elle est triangulaire supérieure, A'J est toujours égal à AJ, mais si G est supérieur à I, alors AJ est égal à 0, donc A'IJ va être égal à 0. Donc TA est triangulaire inférieur, parce que c'est quand J est supérieur à I. Alors là, c'était inférieur à I. Si A et B sont deux matrices d'ordre n, on a évidemment transposé de A fois B qui est égal à transposé de B fois transposé de A. C'est un cas particulier du cas où A appartenait à M, N, P et B appartenait à M, P, Q. Ici, on a N égale P égale Q. Si A est une matrice d'ordre N inversible, alors la transposée est inversible et l'inverse de la transposée est égal à la transposée de l'inverse. C'est facile, il suffit d'écrire cette égalité, de prendre les transposées. On obtient du coup ça, transposé de IN comme elle est diagonale, c'est IN. Et ça, ça nous dit exactement que TA est inversible et que sa transposée, c'est ça. Matrice symétrique, une matrice est dite symétrique si TA égale A, c'est-à-dire AIJ égale AJI, quel que soit IJ. Exemple. Antisymétrique si TA égale moins A, c'est-à-dire AIJ égale moins AJI, quel que soit IJ. À ce moment-là, quand I est égal à J, on a AII qui est égal à moins AI. Donc AI plus AI égale 0. Et bien comme le corps, on avait dit dès le départ, n'était pas de caractéristique 2, AI va être égal à 0. Et donc sur la diagonale, il y a des 0. Exemple, voilà, ça c'est antisymétrique. Les ensembles SNK et ASN de K, ensemble des matrices symétriques, antisymétrique, d'ordre n supérieur ou égal à 1, sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de Mn de K. Et donc on peut écrire ça. Alors, démonstration, on va d'abord remarquer qu'ils ne sont pas vides, hein, parce que la matrice nulle, ou n, hein, est à la fois symétrique et antisymétrique. Après, si je prends deux matrices AB et je forme C égale lambda A plus B, son terme général est égal à lambda AIJ plus BIJ. Si A et B sont symétriques, les AIJ sont tous égaux à AJI et BIJ égale BJI. Donc CIJ va être égal à lambda AJI plus BJI, c'est-à-dire CJ, quel que soit IJ, donc lambda A plus B est symétrique. Et si elles sont antisymétriques, on a ça et ça. Et donc CIJ va être égal à moins lambda AIJ. Moins lambda AJI moins lambda BJI, c'est-à-dire je remplace ça par moins AJI et ça par moins BJI, et donc ça fait moins CJI, et donc lambda A plus B est antisymétrique. Propriété, c'est la suite. Hein. Alors pourquoi sont-ils supplémentaires? Eh bien, pour une matrice A d'ordre N, je forme M égale A plus TA sur 2 qui est symétrique parce que TM égale TA plus TTA, c'est-à-dire A sur 2, et donc je retombe sur M. P égale A moins TA sur 2 est antisymétrique parce que TP est égal à TA moins TTA, c'est-à-dire moins A sur 2, et ça fait moins P. Et je constate évidemment que A, j'ai tout fait pour, est égal à M plus P. D'accord ? Donc symétrique plus antisymétrique, et donc j'ai cette relation-là. De plus, si une matrice A est à la fois symétrique et antisymétrique, elle vérifie AIJ égale AJI, et AIJ est égal moins AJI, quel que soit IJ. Donc ça veut dire que AIJ est égal à A moins, est égal à moins AIJ, c'est-à-dire AIJ plus AIJ égale 0, quel que soit IJ, comme le corps n'est pas de caractéristique 2. AIJ est égal à 0, quel que soit IJ, donc A est égal à 0. Voilà. Donc l'intersection est égale à 0, et donc ça veut bien dire qu'ils sont supplémentaires, et donc qu'on a ce résultat. La dimension de Sn de K, c'est Nn plus 1 sur 2, la dimension de Sn, c'est Nn moins 1 sur 2. Démonstration rapide, on en fera une plus détaillée après. Une matrice symétrique est parfaitement définie par les coefficients de son triangle supérieur, c'est-à-dire les AIJ pour J supérieur ou égal à I. Ces coefficients sont au nombre de N, parce que la première ligne, elle contient N coefficients. Puis la deuxième, comme je prends que les J supérieurs ou égal à N, c'est N moins 1, etc., jusqu'à 1. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N, ça fait NN plus 1 sur 2. Donc
La maîtrice est déterminée par nn plus 1 sur 2 coefficient. Et la dimension de Sn, grâce à cette relation-là, c'est la dimension de mn de k moins la dimension de Sn. Donc ça fait ça. Et c'est égal à nn moins 1 sur 2. Ce qui n'est pas surprenant parce que une matrice antisymétrique, en fait, elle est déterminée par son triangle supérieur sans la diagonale. Et donc sans la diagonale, il y a combien de termes? Ben, il y en a 1 plus 2 jusqu'à n moins 1, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à n. Et donc ça fait n, n moins 1 sur 2. On retombe sur nous. La dimension de l'espace vectoriel des matrices symétriques d'ordre n est n, n plus 1 sur 2. La dimension de l'espace vectoriel des matrices antisymétriques d'ordre n est n, n moins 1 sur 2. Démonstration, mn de k est de dimension n au carré et une base est formée des matrices x et j, ij entre 1 et n, ou x et j ayant des coefficients tous nuls, sauf le coefficient ij égal à 1. Si A est une matrice de coefficients A et j, A est évidemment égal à la somme des ij des x et j, hein, quand i et j décrivent 1 jusqu'à n. Et si on a ça égal à 0, ben ça revient à dire que la matrice lambda ij est égale à 0, et donc que tous les lambda ij sont nuls. Donc xij forme bien une base de mn de k parce qu'elle est génératrice et elle est libre. Soit A égale une matrice aij donc symétrique, hein. A est égal à la somme des aij xij, donc somme des aij xi, je sépare, plus somme des aij xij i inférieur à j, ça c'était i égale j, et puis maintenant i supérieur à j. Si i est inférieur à j, alors j est supérieur à i. Mais aji est égal à aij. Donc en fait ce paquet-là, c'est le même que celui-là. A est égal à somme des aij xi, plus somme pour i inférieur à j, et je vais avoir des aij qui vont être facteurs de xij plus xj. Alors, je pose yi est égal à xi, donc c'est une matrice symétrique parce que le seul coefficient qui n'est pas nul, c'est le coefficient d'ordre i sur la diagonale. Hein. Et puis ici, pour i inférieur à j, yij égale xij plus xj sur, pas sur 2 justement. Alors ça, c'est une matrice dont tous les coefficients sont nuls, d'accord, sauf ceux en ij. Là, le coefficient en ij, il est égal à 1, et le coefficient j, il est aussi égal à 1. Donc en fait, il y a deux coefficients qui sont égaux à 1. Voilà. Alors évidemment, ça c'est une matrice symétrique aussi, hein, parce que c'est deux, tous les coefficients sont nuls, et les deux qui ne sont pas nuls, ils sont symétriques en ij. Donc les y ij, pour i supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à j, forment une partie génératrice de SNK, puisque A s'écrit en fonction de. C'est une partie libre, parce que si on suppose ça égal à 0, on refait ce calcul-là, et on aboutit à une matrice lambda ij qui est égale à 0. Donc tous les lambda ij sont nuls. Donc c'est une base de SNK, et c'est une base qui est formée. Alors quand i prend la valeur n, il y a combien de j possibles? Ben, il y en a n. Quand i prend la valeur, quand i prend la valeur 2, ben, il n'y a plus que n moins 1 j qui sont supérieurs ou égaux à 2, etc., etc. Donc je fais 1 plus 2 plus jusqu'à n, ça fait n, n plus 1 sur 2 matrice y, j. Donc la dimension de Sn de k est égale à n, n plus 1 sur 2. Et comme Sn et Asn sont supplémentaires dans mn de k, la dimension de Asn va être celle de mn, c'est-à-dire n2, moins n, n plus 1 sur 2, ça fait n, n moins 1 sur 2. En fait, plus rapidement, au lieu de faire tout ça, ce qu'on dit, c'est qu'une matrice symétrique est parfaitement déterminée par les coefficients qui sont dans son triangle supérieur. C'est-à-dire, quand je dis triangle supérieur, c'est y compris là, la diagonale. Donc première ligne, il y a n coefficients, deuxième ligne, il y en a n moins 1, etc., qui permettent de déterminer, et donc je trouve facilement nn plus 1 sur 2 coefficients. Et pour les matrices antisymétriques, eh ben, sur la diagonale, ils sont tous nuls, d'accord ?
Donc, par rapport à une symétrique, c'est n, n plus 1 sur 2, et on enlève n. À ce moment-là, ça fait n, n moins 1 sur 2. Hein? C'est-à-dire que la matrice antisymétrique, elle est parfaitement déterminée par le triangle supérieur sans la diagonale. D'accord? Et donc, on trouve n, n moins 1 sur 2 comme dimension. Endomorphisme adjoint. E est un espace euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1, F un endomorphisme de E. Alors il existe un unique endomorphisme G de E, tel que F de X scalaire Y est égal à X scalaire G de Y, quel que soit X, Y appartenant à E. On l'appelle l'endomorphisme adjoint de F et on le note G égale TF. Démonstration, on fixe Y appartient à E et on considère l'application phi Y de E vers R qui à X fait correspondre F de X scalaire Y qui appartient bien à R. On a évidemment pour XZ appartenant à E et lambda appartenant à R, phi Y en lambda X plus Z qui est égal à F de lambda X plus Z scalaire Y et comme F est linéaire, ça fait ça. Et ensuite on développe, ça fait ça. Et on retrouve lambda phi de Y, phi Y de X plus phi Y de Z, ce qui veut bien dire que phi Y est linéaire et donc appartient à E étoile. Donc phi de Y étant linéaire, on sait d'après ce qu'on a démontré précédemment, il existe un unique Z appartenant à E tel que phi Y de X est égal à X scalaire Z, quel que soit X appartenant à E. Alors on se retrouve avec quel que soit Y appartenant à E, il existe un unique Z appartenant à E tel que f de X scalaire Y égale X scalaire Z, quel que soit X appartenant à E. Eh bien, l'application qui a Y appartenant à E fait associe l'unique Z appartenant à E, vérifiant ça. D'accord? Est notée TF. Pourquoi? Parce que elle va dépendre de F, bien sûr. C'est pour ça qu'on note TF. On a donc F de X scalaire Y qui est égal à X scalaire, et ça va être TF de Y, quel que soit X, Y appartenant à E. TF est linéaire. Alors on prend X, Y, Z appartenant à E, lambda appartenant à R, et on regarde X scalaire TF en lambda Y plus Z. Donc on sait que c'est égal à F de X scalaire lambda Y plus Z. Donc lambda F de X scalaire Y plus F de X scalaire Z. Mais ça nous fait lambda X scalaire TFY plus X scalaire TFZ. Et donc, quand je vais passer tout du même côté, ça fait que X scalaire TF de lambda Y plus Z moins lambda TFY moins TFZ est égal à 0. Et ça, quel que soit X appartenant à E. Donc le crochet est nul. Et donc le crochet est nul, et donc TF de lambda Y plus Z est égal à lambda TF de Y moins TF de Z. Et donc TF appartient à L2. Voilà. Unicité, supposons qu'il existe une application à un endomorphisme G vérifiant F de X scalaire Y égale X scalaire G de Y, quel que soit X, Y appartenant à E. On va donc avoir F de X scalaire, comme F de X scalaire Y est égal à X scalaire TF de Y. On va donc avoir X scalaire G de Y égale X scalaire TFY. Et donc X scalaire GY moins TFY est égal à 0, quel que soit X. Donc le crochet est nul. Et donc GY moins TFY est égal à 0. Donc GY est égal à TFY, quel que soit Y appartenant à E. Donc G est égal à TF. Donc on a bien démontré l'unicité. Propriété, Ker de TF est égal à enfin l'orthogonale de l'image de F, c'est-à-dire F de E orthogonale, ou orthogonale de F de E. Voilà. Démonstration, dire que X appartient à Ker TF, ça équivaut à dire que TFX est égal à 0. Donc, si TFX est égal à 0, F de y scalaire x qui est égal à y scalaire tfx va être égal à y scalaire 0 et donc 0. Donc ça veut dire que, et ça, quel que soit y appartenant à E. J'ai donc f
2y scalaire x qui est égal à 0, quel que soit y appartenant à E, ce qui veut dire que x est orthogonal à f de y, quel que soit y appartenant à E, et donc que x appartient à l'orthogonal de f de E. Parce que f de E, c'est l'ensemble des f de y. Et donc ça, c'est orthogonal d'image de f. Réciproquement, si x appartient à l'orthogonal d'image de f, on va avoir x scalaire f de y égale 0, quel que soit y appartenant à E. Donc tfx scalaire y est égal à 0, quel que soit y appartenant à E. Donc tf de x est égal à 0, et donc x appartient à Kertf. Donc Kertf est bien égal à l'orthogonal de f de E. L'application qui a f appartenant à L2, donc un endomorphisme de E, associe l'endomorphisme adjoint TF, est linéaire et involutive. Involutive, ça veut dire que U rond U de F va être égal à F. U rond U est égal à l'identité dans L2. Linéarité. Fg appartenant à L2, lambda appartenant à R, il faut démontrer ça. On considère lambda F plus G de x scalaire y. Ça va être égal à x scalaire adjoint, en tout morphisme adjoint, c'est-à-dire, je dis transposé, hein, parce que c'est plus facile, mais c'est adjoint de lambda f plus g en y. Et donc, ça fait x scalaire adjoint de lambda f plus g en y, qui est égal à lambda f de x scalaire y plus g de x scalaire y. Mais ça, c'est lambda x scalaire adjoint de f en y plus x scalaire adjoint de g en y. Donc x scalaire lambda adjoint de f en y plus adjoint de g en y. Donc, et ça, ça va être égal donc à ça. Donc, quand je fais passer tout du même côté, que je factorise par x, ça fait x scalaire, tout ça, qui est égal à 0, quel que soit x. Donc, le crochet est nul. Donc, ça, c'est nul. Donc, adjoint de lambda f plus g en y est égal à lambda adjoint de f en y plus adjoint de g en y, quel que soit y. Donc, adjoint de lambda f plus g est égal à lambda adjoint de f plus adjoint de g. Maintenant, si f appartient à L de E, j'appelle g égale adjoint de f. F de x scalaire y égale x scalaire adjoint de y, adjoint de f en y. C'est-à-dire x scalaire g de y. X scalaire g de y, c'est pareil que g de y scalaire x, donc c'est y scalaire adjoint de g en x, puisque g, c'est un endomorphisme. Donc, ça fait que f de x scalaire y est égal à y adjoint de g en x, quel que soit x, y. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que adjoint de g en x moins f de x est égal à 0, donc quel que soit y appartenant à E. Donc, adjoint de g en x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à E. Mais g, c'est l'adjoint de f. Donc ça veut dire que tg égale f, hein, eh bien ça veut dire que t de tf est égal à f. D'accord ? Donc on a bien une involution. Quel que soit f et g appartenant à L de E, donc deux endomorphismes, adjoint de f rond g égale adjoint de g rond adjoint de f. Donc on inverse, hein, comme pour les matrices. Démonstration, adjoint de f de x scalaire y est égal à x scalaire f de y, quel que soit xy appartenant à E. Donc en remplaçant y par g de y, je vais obtenir adjoint de f en x scalaire g de y égale x scalaire f rond g de y, quel que soit xy appartenant à E. Mais z scalaire g de y, c'est adjoint de z
de G en Z scalaire Y. D'accord ? Donc si je prends Z égale adjoint de F en X, ça va me donner que adjoint de F en X scalaire G de Y égale adjoint de G en adjoint de F en X scalaire Y, quel que soit X, Y. Cette relation me dit quoi ? Elle me dit que... elle implique plutôt, excusez-moi, que bah, ça, on l'avait vu ici, c'est X scalaire F rangé de Y. Donc X scalaire F rangé de Y est donc égal à ça, hein, que je peux écrire TG rond TF en X scalaire Y. Bah, ça veut... Et ça, c'est vrai, quel que soit x, y. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'adjoint de ça. Donc, adjoint de f rond g égale adjoint de g rond adjoint de f. L'adjoint de l'identité, c'est l'identité. En effet, quel que soit x, y appartenant à E, l'identité de appliquée en x scalaire y, c'est x scalaire y. C'est x scalaire identité de E en y, quel que soit x, y. Donc l'identité de E est bien l'adjoint de l'identité de E. Si F appartient à GL de E, c'est-à-dire si F est un automorphisme, alors l'adjoint de F est un automorphisme, mais l'inverse de l'adjoint de F est égal à l'adjoint de l'inverse de F. Démonstration, bah, il suffit de prendre ça et de prendre ensuite l'adjoint. Donc ça fera, en appliquant la règle précédente, adjoint de f moins 1 rond adjoint de f égale adjoint de f rond adjoint de f moins 1 égale l'adjoint de l'identité qui est l'identité. Donc ça veut dire que adjoint de f est inversible et que son inverse, c'est l'adjoint de f moins 1. Matrice de l'adjoint de f. Si je prends f appartenant à L de E, B une base orthonormale de E, A la matrice de cette base, la matrice de f dans cette base, alors, il faut qu'elle soit orthonormale. Hein. Alors, la matrice de TF dans la base va être, la matrice de l'adjoint de F va être la transposée de la matrice A. C'est pour ça que parfois je dis transposée au lieu de adjoint. En fait, on dit adjoint quand on parle endomorphisme et transposée quand on parle matrice. Mais bon. Donc, soit B la matrice de l'adjoint de F, dans la base B. F de X scalaire Y, c'est X scalaire TF de Y. Je traduis ça avec des matrices, quel que soit X, Y appartenant à elle. Donc ça, c'est A grand X, donc ça va être... Quand j'ai X scalaire Y, je sais que c'est TX, du point de vue des matrices, TX fois Y. Donc ici, c'est TAX fois Y. D'accord ? Là, c'est une multiplication de matrices, on ne met pas le point. Et donc, ça va être égal à Tx, et là, ça correspond à By. Quel que soit xy, hein, quelles que soient les colonnes xy. Et là, ça, ça veut dire Tx, Ta, hein, donc Tx, Ta, y est égal à Tx, By, quel que soit xy, ben ça, on sait que ça implique que Ta égale B. Donc, B, c'est la transposée de la matrice A. Endomorphisme auto-adjoint ou symétrique. E est un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1. F, un endomorphisme. On dit qu'il est auto-adjoint ou symétrique si et seulement si TF est égal à F, c'est-à-dire l'adjoint de F est égal à F. Ce qui équivaut à dire qu'il existe une base orthonormale B de E dans laquelle matrice de F est symétrique. Alors, quelle que soit la base B orthonormale de E, la matrice de F dans B est symétrique. Démonstration commence par le 2. On suppose F auto-adjoint, B orthonormale et A la matrice de F dans B. La matrice de TF dans B, on sait que c'est TA. Mais TF est égal à F. Donc la matrice de F dans B est égale à... La matrice de F dans B est égale à TA. Mais la matrice de F dans B, c'est A.
Donc A égale TA. Donc A est symétrique. Alors une fois qu'on a démontré ça, pour la première, bah, si F est symétrique, alors dans toutes les bases orthonormales, on a ça. Donc on en prend une et on a ça. Donc ça, c'est démontré. Réciproque, s'il existe une base pour laquelle la matrice de F dans B est symétrique, alors la matrice de TF dans B, ben c'est, on sait que c'est TA. Et TA est égal à A. Donc c'est la matrice de F. Donc la matrice de TF, c'est la matrice de F. Donc TF égale F. Donc F est auto-adjoint. Endomorphisme antisymétrique, ben c'est TF égale moins F, ce qui équivaut à dire qu'il existe une base orthonormale B dans laquelle la matrice F, la matrice de F est antisymétrique. Alors, quelle que soit la base B orthonormale de F, la matrice de F dans B est antisymétrique, la démonstration est identique. Soit B une base orthonormale de E, euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1, on sait que phi, l'application qui a un endomorphisme de E associe sa matrice dans B, donc une matrice de Mn de R, est un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc phi moins 1 aussi est un isomorphisme d'espace vectoriel de Mn de R vers L de E. Le sous-espace vectoriel Sn de R, des matrices symétriques d'ordre n, de Mn de R. A pour image par phi moins 1, l'ensemble S de E des endomorphismes symétriques de E, puisqu'on a vu que à chaque matrice correspondait à un endomorphisme symétrique et que relativement à une base. Et que tout endomorphisme, à chaque matrice symétrique correspondait à un endomorphisme symétrique et qu'un endomorphisme symétrique correspondait à une matrice symétrique. Donc, a pour image l'ensemble SE des endomorphismes symétriques de E. Donc, S de E est un sous-espace vectoriel de L de E de la même dimension que Sn de R, c'est-à-dire n plus 1 sur 2. Il a été phi moins 1 transporte le sous-espace vectoriel Sn en le sous-espace vectoriel S de E. De même, l'ensemble As de E des endomorphismes antisymétriques de E est un sous-espace vectoriel de L de E et la dimension de As de E est égale à la dimension de Asn de R, ce qui fait n moins 1 sur 2. Et comme Sn de R est ASN de R sont supplémentaires dans MN de R, on en déduit que SE et ASE sont aussi supplémentaires dans L de E grâce à cet isomorphisme. Remarque, si F appartient à L de E, F symétrique équivaut à dire que F de X scalaire Y égale X scalaire F de Y, pardon, quel que soit X et Y appartenant à E. Et F antisymétrique équivaut à dire F de x scalaire y égale moins x scalaire f de y, quel que soit x, y appartenant à E. Démonstration, bah, si f est symétrique, tf égale f. F de x scalaire y égale x scalaire tf de y, mais tf égale f, donc ça fait x scalaire y. Donc ça marche. Réciproquement, supposons f de x scalaire y égale x scalaire f de y. Alors, comme f de x scalaire y est égal à x scalaire tf de y, on en déduit que x scalaire tf de y égale x scalaire f de y. En faisant tout passer de l'autre côté, on obtient que x scalaire tf de y moins f de y égale 0, quel que soit x, donc la parenthèse est nulle, et donc tf de y moins f de y est égal à 0, quel que soit y, donc tf de y est égal à f de y, quel que soit y, donc tf est égal à f, donc f est auto-adjoint ou symétrique. Les démonstrations sont exactement la même, c'est exactement la même démonstration pour F antisymétrique. Théorème, N est un entier naturel supérieur ou égal à 1, E un espace vectoriel euclidien de dimension n. Si A est une matrice symétrique à coefficient dans R, le polynôme caractéristique que je note PA de X égale déterminant de A moins XIN est un polynôme de RN de X, de vrai N. On peut le factoriser dans CN de X. Auquel cas,
on obtient une factorisation comme ça, puisqu'il est scindé. Hein, et les lambda i sont les racines de pa de x considérées comme polynôme de c de x. Ce qui peut s'énoncer, alors, ce qu'on va démontrer, c'est que tous les lambda i appartiennent à R. Ce qui peut s'énoncer ainsi, pa de x appartient à R de x et scindé dans R de x. Les valeurs propres de A, considérées comme une matrice de MM de C, sont en fait toutes réelles. Si F est un endomorphisme symétrique de E, rappelons que c'est un R espace vectoriel puisqu'il est euclidien, alors le polynôme caractéristique de F est scindé dans R de X et les valeurs propres de F sont réelles. Démonstration, lambda appartenant à C, une valeur propre de A, il existe un vecteur colonne comme ça, non nul, tel que Rx est égal à lambda X. Donc A bar X bar est égal à lambda bar X bar, mais A bar est égal à A parce que A est un coefficient dans R. Donc A X bar est égal à lambda bar X bar. Tx bar Ax va être égal à Tx bar de lambda x fois lambda x. Donc ça fait lambda Tx bar x, hein, c'est-à-dire lambda somme de x k bar xk, c'est-à-dire ça. Mais Tx bar Ax, je peux aussi écrire, c'est Tx bar, et comme A est symétrique, je remplace ça par Ta. Et là, je vais avoir T de Ax bar x. Donc ça, Ax bar, c'est lambda bar x bar, donc ça fait ça, donc ça fait lambda bar tx bar x, ça fait ça. D'accord? Donc ce truc-là, il est égal à ça et à ça. Lambda fois cette somme est égal à lambda bar fois cette somme. Mais cette somme, elle est différente de 0 parce que x est différent de 0. D'accord? Donc la somme des modules au carré des xk est différente de 0. Donc lambda égale lambda bar, et donc lambda appartient à R. Si F est un endomorphisme symétrique, sa matrice A dans une base orthonormale B est symétrique, le polynôme caractéristique de F, c'est P, F de X égale PA de X, donc scindé dans R de X, et les valeurs propres de F sont toutes réelles, comme pour sa matrice. Si lambda mu sont deux valeurs propres distinctes d'un endomorphisme symétrique F de E, E est un espace euclidien, alors les sous-espaces propre E lambda égale ker de F moins lambda identité, E mu égale ker de F moins mu identité, sont orthogonaux. Alors rappelons qu'on est dans un espace euclidien. A est la matrice de F dans une base orthonormée B. On va faire deux démonstrations. X appartient à E lambda, Y appartient à E mu, et j'appelle grand X, grand Y, les colonnes correspondantes des coordonnées. Donc j'ai Ax égale lambda X, Ay égale mu Y, Ty ax égale ty lambda x égale lambda tyx, et ty ax, comme a est symétrique, je remplace a par ta, donc ça fait t de, alors ty ax, je peux dire que c'est transposé de tx, ta, y. Bon, si vous voulez, on le fait à l'envers, ça fait bien ty fois a, fois transposé de tx, c'est-à-dire x. Alors ça, c'est transposé de tx, ta, bah ta c'est a, puisqu'elle est symétrique la matrice. Donc ça fait ça. Mais ay c'est mu y, donc ça fait transposé de tx mu y. Je sors le mu, ça fait mu tyx. Donc j'ai ça, ce qui implique ça. D'accord? Et comme lambda est différent de mu, ça implique ça. Et donc ça implique, comme la base est orthogonale, orthonormale, x.y, x carré y est égal à tyx, donc ça fait 0. Et donc, ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à E lambda et y appartient à appartenant à E mu, donc E lambda est orthogonal à E. En fait, il est plus simple de faire ça sans les matrices. F de x.y est égal à lambda x point, f de x carré y égale lambda x carré y égale lambda, donc x carré y. Mais f de x scalaire y, comme f est symétrique, auto-adjoint, c'est f scalaire f y. Donc ça fait x scalaire mu y. Donc ça fait mu x point y. Donc, en faisant passer de côté, j'obtiens ça. Mais lambda est différent de mu. Donc ça, c'est différent de 0. Donc x scalaire y est égal à 0, quel que soit x appartenant à E lambda, quel que soit y appartenant à E mu, donc E lambda est orthogonal à E mu.
E est un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1. Alors, tout endomorphisme symétrique de E est diagonalisable dans une base orthonormale de E. Toute matrice symétrique d'ordre n est diagonalisable dans une base orthonormale de R puissance n. R puissance n munie de sa base canonique avec le produit scalaire somme des xi, yi. Démonstration, elle se fait par récurrence sur la dimension de E. Quand n égale 1, E est une droite engendrée par un vecteur E qu'on peut supposer norme 1. F de E est donc égal à KE. Si U est égal à XE, eh bien on a F de U qui est égal à X, F de E, c'est-à-dire X, KE, c'est-à-dire KU. Donc F est diagonalisable dans cette base orthonormale de la droite engendrée par X, et sa matrice c'est K appartenant à M1 de R, et elle est diagonale. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n, et prenons un espace euclidien de dimension n plus 1, F, un endomorphisme symétrique de E, PF, alors le polynôme caractéristique de F, c'est PF de X égale déterminant de F moins X identité, il est scindé de degré n, avec des racines dans R, soit lambda une des racines, c'est une valeur propre de F. Il existe un vecteur propre de F associé à lambda, un vecteur non nul. Donc on a F de X est égal à lambda X, on considère grand F l'orthogonale de la droite engendrée par X, il est de dimension n parce que l'espace est de dimension n plus 1, montrons que grand F est stable par F. Donc on prend Y appartenant à F, on a F de Y scalaire X est égal à Y scalaire TF de X, égale Y F de X parce que F est symétrique, et donc ça va nous faire y lambda x égale lambda x scalaire y égale 0 car y appartient à l'orthogonale de x. Y appartient à f implique donc que f de y est orthogonal à x, donc que f de y appartient à l'orthogonale de x, c'est-à-dire à f. Donc f est stable par f. La restriction g de petit f à grand f est un endomorphisme de f, est un endomorphisme de grand f, hein. Voilà. Et si YZ appartiennent à grand F, G de Y scalaire Z est égal à F de Y scalaire Z, est égal à Y scalaire F de Z, est égal à Y scalaire G de Z, car Z appartient à F. Donc G est symétrique, donc diagonalisable dans F. Et on peut trouver une base BF comme ça, orthonormale de F, dans laquelle la matrice de G est diagonale. En posant En plus 1 égale X sur norme de x qui nous fait une base orthonormée de la droite vectorielle x, on obtient en rassemblant les deux bases une base orthonormale b qui va de 1 jusqu'à en plus 1 de e, car ek appartient à x, car si ek appartient à f, ek est orthogonal à en plus 1 quel que soit le cas. D'accord ? Donc, ça veut dire que la matrice de f dans b, ça va être ça, puisque quand je prends les ek, leur image est lambda k ek, et quand je prends en plus 1, c'est k en plus 1. Et donc c'est diagonal. Si A appartient à Sn de R, on prend E égale Rn avec le produit scalaire, F appartient à S de E, c'est-à-dire F est symétrique de matrice A dans la base canonique de Rn, et donc, puisqu'elle est symétrique, elle est diagonalisable dans une base orthonormale de E, et ça prouve le résultat. Conséquence, quelle que soit une matrice symétrique A appartenant à Mn de R, il existe une matrice diagonale de Mn de R, une matrice orthogonale P de Mn de R, telle que D égale transposé de P fois A fois P égale A fois P, non, égale, et A, ce qui équivaut à dire que A égale P fois D fois transposé de P. Démonstration, E égale Rn muni de sa base canonique B0, orthonormale pour le produit scalaire. F appartient à un endomorphisme symétrique, l'endomorphisme symétrique de matrice A dans B0. Il est diagonalisable dans une base orthonormale B de E. La matrice de passage P de B0 à B, on a donc D égale P moins 1 à P qui est une matrice diagonale de F dans B. C'est la matrice de F dans B. La matrice de passage P de B0 qui est une base orthonormale à B qui est orthonormale. Donc P est une matrice orthogonale. Et donc TP fois P est égal à IN.
Et donc, en fait, TP, c'est l'inverse de P. Et donc, ici, je peux remplacer par TP. Et ça me fait D égale TP à P. Et donc, de ça, j'en déduis tout naturellement que A est égal à P D fois TP. Et le tour est joué. On a besoin des matrices orthogonales pour la suite, donc je fais un bref rappel là-dessus, un petit peu plus qu'un rappel. On dit qu'une matrice d'ordre n est orthogonale si Tm fois m est égal à In. Alors en fait, quand on a Tm fois m égale In, on a automatiquement m fois Tm égale In, puisque ça signifie que Tm est l'inverse de m. Et inversement, si on a m fois tm égale in, on a automatiquement tm fois m est égal à in. Donc m est inversible, donc j'ai ça. Une matrice m égale mij étant donnée, je note les vecteurs colonnes, les vecteurs lignes de Rn, donc en position, en notation verticale, en notation horizontale. M est orthogonale si et seulement si les colonnes forment une base orthonormale de Rn. Et ça équivaut à dire que les lignes forment une base orthonormale de Rn. Démonstration, Tm fois m, m est égal à In. Ça équivaut à dire, et je prends le coefficient en ij de Tm fois m, ça va être somme de k égale à 1 à n du coefficient en ik de cette matrice-là, c'est-à-dire mki, multiplié par mkj. Ce qui équivaut à dire que la transposée de Ci multiplié de la colonne CI multiplié par la colonne CJ est égal à delta IJ. Donc on a vu que quand on a ça, M est inversible, donc les colonnes sont libres. Réciproquement, si les colonnes sont libres, M est inversible. Et dire ça, ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire ça équivaut à dire en fait ça c'est exactement le produit scalaire de la colonne CI par la colonne CJ, au point de vue des vecteurs. Égale delta ij, ce qui veut dire que ci croix cj égale 0 si i différent de j, 1 si i égale j. Et donc là, je trouve que la famille est orthonormale. Donc en fait, dire que ça équivaut à dire que les ci forment une base orthonormale. Les colonnes de m' égale tm sont les lignes de m. Donc dire ça équivaut à dire ça, ça équivaut à dire ça. Ça équivaut donc à dire, d'après ce que j'ai dit avant, que les colonnes C'I de M' forment une base orthonormale de Rn, et donc que les lignes Li de M forment une base orthonormale de Rn. Là, on est en notation horizontale, alors que là, on était en notation verticale dans Rn. Et donc, c'est terminé. Enfin, je rappelle que M est orthogonal. Ça équivaut à dire que l'application linéaire qui envoie la base canonique de Rn, alors Rn, étant cette base canonique étant une base orthonormale hein, de Rn, vers la base orthonormale Cj, donc des colonnes de la matrice, d'accord, est une isométrie, donc cette application linéaire qui envoie donc cette base dans cette base, elle est unique. Hein. Ça équivaut à dire que c'est une isométrie. Et ça équivaut à dire que l'application linéaire qui envoie la base canonique de Rn vers la base orthonormale des lignes hein, est aussi une isométrie. Une isométrie, c'est un endomorphisme orthogonal. Donc, c'est un endomorphisme qui conserve le produit scalaire. C'est-à-dire que on a f de x scalaire f de y qui est égal à x scalaire y, quel que soit x et y vecteur de E.